On a aussi des centaurées. Donc la centaurée de Jassé. Alors il y a la centaurée de Jassé, elle est à différencier. Comment ? Oui, la centaurée à Jassé. Après il y a d'autres espèces, alors peut-être que ce sont devenues des espèces aujourd'hui, je ne sais pas trop. Il y a Centaurea timbali et Centaurea jacea. C'est une espèce qui aime bien les sols marneux. Là on est vraiment sur calcaire et marne. Là c'est du ciré, c'est la partie calcaire blanc, marneux, qui est au-dessus de la pierre jaune de Couzan, d'âge bajoussien. C'est pour ça que c'est un calcaire qui est relativement friable et qui s'altère assez facilement. Mm-hmm. Il est argileux. C'est la légende ou c'est... Non, cherche si vous en trouvez un. Un autre, cherchez. Vous savez, il y a une compétition très très gentille. Le copain qui sort en sort toutes les semaines à peu près, il dit, tu sais, j'en connais un autre, je te dis où il est. Nous, bien sûr, on essaie d'en trouver d'autres pour lui montrer qu'il a tort. Mais apparemment, c'est joli. Ça veut dire qu'il a été planté. Ah, la voilà, elle est là, la Calliflora. Alors là, j'ai pas de résultat. C'est la bande à l'isoron. C'est plus de 14 mm de long. C'est la bande à jour. Ils sont passés, mais on verra bien. Il y a des entre-nœuds qui sont beaucoup plus grands en fait. On en a vu l'autre jour, mais on n'a pas eu le choix de déterminer, Gérard. On en a vu l'autre jour, je ne sais plus où là-bas. Oui, mais pas beaucoup. Mais pas beaucoup, non, il n'y a pas beaucoup. De toute façon, il faut lui en mettre. Qui est pour ? Qui est contre ? Bon, ça, c'est... Il n'y a pas de contestation. Ça, c'est toujours des risques. On retrouve Agrimonia eupatoria, Carex flaca, là on a des pulmonaires. A priori c'est Pulmonaria montana. Montana. Pulmonaria officinalis. Il y a un monsieur, Yves Bernier, qui fait des terrains dans le département et qui a fait une étude qui s'est penchée là-dessus. Et pour lui, apparemment, on n'aurait pas Pulmonaria officinalis. Yves Bernier, oui. Mais là, donc là, a priori, ça serait... faudrait confirmer en été avec aussi avec oui, avec puis avoir la fleur. A priori, ce serait Montana. Normalement, c'est mai-juin. Elles sont en fleurs, pratiquement, et tout le monde a mais il n'a pas dû fleurir, il est jeune, celui-là. Non, il a l'air sous bois, puis oui. Cyanus lugdunensis a un involucre qui est plus petit que Cyanus montana. Voilà. Effectivement, c'est une espèce qui est localement assez commune, mais qui est quand même à l'échelle du département, je trouve que c'est rare. C'est moins beau. Ça, c'est pas la même. Alors c'est entre multiflorum et odoratum. Alors odoratum, il a une fleur ou deux au maximum.
qui sont insérés au verticaux. Dessous comme tous les voilà. Voilà, alors que Multiflorum, il a trois, ou il a au moins trois fleurs. Il pousse jamais, il reste toujours petit. Ah oh, ouais, parce que je sais pas, il c'est toxique aussi. Mais il vit, ah, il vit, mais il se développe. Oui, la tige. Oui, mais pas. Est-ce que c'est oui, polygonatum, mondoratum a une tige anguleuse. D'accord. Polygonatum multiflorum a une tige anguleuse.